musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. It's the story of two bounty killers, men who inspired fear in the worst criminals. What made these men tick? Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler de la suite du film de la précédente vidéo, toujours en western. Et on va parler cette fois de Et pour quelques dollars de plus, de 1965, toujours avec l'excellent Clint Eastwood, mais avec aussi un autre très bon acteur qui a aussi la particularité de jouer dans des westerns. Il a joué dans La Brute et le Truand, Lee Van Cleef, et aussi un autre acteur qu'on connaît quand même un peu moins, Yann Maria Volonté, qui joue tout simplement le méchant de l'histoire, voilà. Et au départ, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est le même, mais non, le truand qu'il y a dans Le Bon, la Brute et le Truand n'est pas joué par la même personne, j'en suis presque sûr, que le méchant dans ce film. Vous verrez que cette saga, je peux même, allez, cette trilogie, est quand même bizarre, parce qu'en fait, c'est une suite qui n'est pas vraiment une suite. Les personnages ne sont pas les mêmes. Par exemple, Lee Van Cleef ne va pas garder son même personnage dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et ça fait quand même bizarre, sachant que c'est une trilogie. Mais bon, est-ce que j'ai préféré ce film à Pour une poignée de dollars? Est-ce qu'il est moins bien? Est-ce qu'il est mieux? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais aussi vous faire, comme d'habitude, une rétrospective pour vous raconter des secrets de tournage, comment ils ont tourné, plein d'infos croustillantes, voilà. Parce que je sais que vous aimez les westerns et je vous en remercie parce que j'ai vu en l'espace de même pas 3 jours combien avait fait la vidéo, en 4 jours elle avait fait 1,7K. Vraiment, pour moi, c'est énorme. Je vous en remercie et j'espère que vous aimerez autant cette vidéo que la vidéo sur une poignée de dollars. Et on va pas traîner la rétrospective et la critique sur Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone ou Leone. Elle commence maintenant. You remember him, don't you? He's Clint Eastwood. And him, John Wells. The great actor Gian Maria Volonté. They were the men who excited you so in For a Fistful of Dollars. Here they are, united once more. Clint Eastwood and Gian Maria Volonté. Under the inspired direction of Sergio Leone, better known. Une des raisons pour laquelle c'est une vraie fausse suite, c'est à cause des problèmes de droit interdisant de reprendre le même héros. L'homme sans nom, incarné par Clint Eastwood, est rebaptisé ici Le Manchot, mais porte le même poncho sur lequel sont visibles les 7 impacts du précédent film, avec la magnifique scène du duel, on en avait parlé. Si le premier volet de la trilogie était un remake du garde du corps d'Akira Kurosawa, le cinéaste avait aussi en tête L'homme des vallées perdues de George Stevens, ou Un cavalier solitaire venu de nulle part, aidant une famille avant de repartir vers d'autres horizons, ou encore L'homme au colt d'or d'Edouard Dmitrik. Un an plus tard, en 1965, le mystérieux étranger revient dans Et pour quelques dollars de plus. Mais il est cette fois-ci chasseur de primes professionnel, un personnage déjà présent dans plusieurs westerns hollywoodiens des années 1950. Bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Randall. Et moi, Jacques Radovitch. Je suis heureux de vous connaître. Qu'est-ce qu'on a? Attendez un peu, monsieur. Je m'y connais assez dans ce domaine et je crois que vous faites une grave erreur. De quoi voulez-vous parler? Vous pendez un homme sans l'avoir jugé. C'est un assassinat. Et la loi n'est pas tendre pour ce genre de choses. À votre place, je réfléchirai. Comme Du son dans le désert d'Anthony Mann. Toutefois, la morale de ces histoires était que l'argent faisait pas tout et n'était pas tout dans la vie.
et ne fait pas nécessairement le bonheur, et que les chasseurs de primes étaient finalement des marginaux. Sergio Leone prend mais vraiment le contre-pied de ses films en inversant la moralité dès le générique d'ouverture. Il y a la phrase « Là où la vie n'avait pas de valeur, la mort parfois avait son prix. » C'est ainsi que les chasseurs de primes filent leur apparition. Et je trouve cette phrase géniale. Comme elle est écrite, comme elle est comprise, géniale. Peu après le premier film, Sergio Leone demanda à Luciano Vincenzodi d'écrire une suite. Le scénariste, ruiné, après avoir dilapidé tout son argent dans un casino de Venise, ce que le réalisateur ne savait pas, accepta. Un premier scénario baptisé Boots Hill fut écrit par Sergio Leone et son beau-frère Fulvio Morsella. Mais Vincenzoni le trouva faible. Il le réécrivit en 9 jours et pour la petite histoire, lorsqu'il demanda à Sergio Leone pourquoi il avait choisi Boots Hill comme titre, il lui répond « Parce qu'au cimetière, après avoir enterré les gens, on posait leurs bottes sur la tombe. » D'accord ? Le choix final du titre, et pour quelques dollars de plus, est un choix, on va dire, un peu financier pour faire venir le public parce que le public avait aimé pour une poignée de dollars. Clint Eastwood, il n'était pas vraiment ravi de reprendre son rôle de l'homme sans nom dans ce film, malgré le bon accueil du film, et quand la production lui proposa de tourner le film, l'acteur déclara une phrase que j'adore. « Je vais lire le scénario et je ferai le film, mais par pitié, ne me remettez pas ce cigare dans la bouche. » Ce à quoi Sergio Leone lui répondit « Impossible, Clint, c'est lui qui tient le rôle principal. » Elle est vraiment, c'est génial. T'as l'impression que c'est des répliques de films. Alors que non, c'est la réalité. Le premier choix de Sergio Leone dans le rôle de Douglas Mortimer avait été Henry Fonda. L'exceptionnel Henry Fonda qui avait refusé, malheureusement. Son choix s'est ensuite porté sur Charles Bronson, aussi très grand acteur, qui avait aussi refusé. Et ce n'est que plus tard qu'il a songé à Lee Van Cleef, qui s'était spécialisé dans les rôles des méchants dans les westerns des années 50. Initialement, le rôle du colonel Mortimer devait être tenu par Lee Marvin, mais Sergio Leone l'avait beaucoup apprécié dans L'homme qui tua Liberty Valance. Mais avant les prises de vue, l'acteur se désista au profit d'un film qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur, Cat Ballou. Et après son désistement, Sergio Leone se retrouva donc sans acteur principal. Il dit « J'ai pris l'avion pour Los Angeles afin de trouver un nouveau colonel Mortimer. J'étais tombé sur une très vieille photo de Lee Van Cleef dans l'annulaire des Academy Players. Il avait un peu l'air d'un coiffeur du sud de l'Italie, mais avec ce nez aquilin et ses yeux en amande si caractéristiques. Je me rappelais l'avoir vu dans le train, sifflera trois fois, où il avait joué comme figurant, ainsi que dans les bravados et règlements de compte à Hockey Cowell, qui est aussi un bon western, avec Kirk Douglas. Il devait avoir dans les 40 ans à l'époque, ce qui devait désormais lui faire dans les 48-50 ans. Juste l'âge de mon colonel. Quand je suis arrivé à Hollywood, il avait complètement disparu de la circulation. Après pas mal de recherches, nous avons fini par mettre la main sur un agent appelé Sid, qui nous a informé qu'après un grave accident de voiture suivi d'un long séjour à l'hôpital, Lee Van Cleef avait renoncé au cinéma pour se lancer dans la peinture. Il est venu me trouver à mon hôtel dans les environs de Los Angeles, je l'ai vu arriver de loin. Il avait exactement l'apparence qu'il fallait. Il avait les cheveux courts et portait un long trench coat très sale avec deux bottes hautes noires. On aurait dit un vieil aigle grisonnant. Je me suis tourné vers mon directeur de production, Ottavio Oppo, et je lui ai dit « Tu le fais signer sur le champ, je ne veux même pas lui parler, parce que si je le fais, je risque de le prendre en grippe et de ne pas l'engager. Ce serait une grave erreur. Il est tellement parfait pour le film que je ne veux même pas entendre un mot de ce qu'il a dit. » Et
Et c'est aussi raconté dans le livre Il était une fois en Italie, les westerns de Sergio Leone de Christopher Failing. Et pour quelques dollars de plus, fut tourné avec un budget relativement modeste, 600 000 dollars. Ça va. Un tournage sur une période de 12 semaines, à votre avis, où, en Espagne, entre avril et juillet 1965. La petite ville d'El Paso fut construite dans la province historique d'Almeria, comme tous les westerns. Quant à Aguascaliente, qui abrite le gang del Indo, le vrai nom du village était Los Albaricoques. Pour Tucumcari, les décors étaient en fait les mêmes que ceux employés sur le tournage de Pour une poignée de dollars. Enfin, pour la ville de Santa Cruz, le décor était un décor permanent construit au sein des célèbres studios Cinecittà. Le film, déjà, un point positif, c'est sa série de flashbacks, comme dans Il était une fois dans l'Ouest, de plus en plus long, sur le fond sonore de la boîte à musique, dévoilant petit à petit l'événement qui a suscité la soif de vengeance de Mortimer. La fin n'est dévoilée qu'au moment du duel final. Sergio Leone reprend ce procédé dans Il était une fois dans l'Ouest en 1968, soit 3 ans après. La vengeance de la mort d'une sœur devient celle d'un frère et la musique de la montre devient celle d'un harmonica. La scène du duel final contient aussi le même fond sonore et on entend aussi un fond sonore de boîte à musique dans le duel final du Bon, la Brute et le Truand ainsi que dans le film La Grande Bourgeoise réalisé en 1974 par Mauro Bolognini. Le manchot s'appelle lui-même Monco dans le film parce qu'en italien Monco signifie manchot. Cela lui vient de l'habitude de boire et de manger seulement avec sa main gauche, sa main droite qui est toujours sous le poncho agrippé au pistolet. Le scénario va devenir un roman de Joe Millar. Et Ennio Morricone a dit dans Et pour quelques dollars de plus, le son du carillon de la montre du colonel était essentiel, associé au viol et à l'explication finale. Le carillon apparaît tout d'abord comme un son interne, puis devient progressivement un son externe. Techniquement, Sergio ne connaissait pas grand-chose en musique, mais il avait une intuition extraordinaire. Et pour quelques dollars de plus, fut le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma italien, loin devant la Dolce Vita de Federico Fellini. Et aux États-Unis, il sortit en juillet 1967, presque dans la foulée de Pour une poignée de dollars. Pour la petite anecdote, c'est à ce moment-là que le personnage incarné par Clint Eastwood fut alors rebaptisé l'homme sans nom. Auparavant, il avait au moins un surnom ou un nom connu, Monco. Le film enregistra 14 543 161 entrées, ce qui le place premier cette fois au box-office Italie de 1965 et à plus de 3 millions de recettes. Ce qui est confortable. Oui, oui, oui. Et maintenant, tout de suite, on va passer à ma critique, que j'ai très hâte de faire. Pour moi, cette critique, je vais l'appeler, et ce film, je vais l'appeler, une vraie leçon de cinéma. Le générique, au départ, est stylé et moderne pour l'époque. Dans ce film, on fait la connaissance de personnages du Bon, la Brute et le Truand. Bon, pas forcément les vrais personnages, mais les acteurs. Et en fait, il joue pareil que voilà, les personnages du film, le troisième. Ce film est plus vivant que le premier. Par exemple, c'est un vrai village au début, avec plein d'habitants, contrairement au premier où il y a peut-être quelques habitants. Et il est aussi plus beau. Dans le premier, il y avait que des maisons, toujours blanches. Alors que là, c'est vraiment un vrai village. Comme on le voit dans tous les westerns, avec un saloon entièrement fait du bois, une banque. En tout cas, tout est fait en bois. Au début, il y a beaucoup plus d'action que dans le 1. Rien que dans le début. 3 personnages, 3 scènes d'action. Et ça, c'est génial. On comprend vraiment la présentation des personnages qui est super bien et qui prend quand même 30 minutes. Mais les 30 premières minutes passe super vite. Et je me suis dit, si le film est comme le début, il est génial. Et j'avais raison. J'ai remarqué que Clint Eastwood a les mêmes vêtements
que dans le 1. Et c'est bien aussi le retournage, le retour de, d'un personnage. Comme le personnage de celui des tombes qui est dans le 1, qui reprend cette fois le même personnage. Et c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir vu le premier. Parce que, surtout au début du film, un moment avec le croque-mort, il parle un peu de ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, si t'as vu le film, tu sais encore plus ce qui s'est passé et au moins tu t'es pas spoilé, même s'il n'y a pas de grand spoil non plus. J'adore le duel avec les chapeaux entre le bon et la brute. Je vais les appeler comme ça, le bon et la brute, c'est beaucoup plus simple. Et leur pacte. Leur pacte qui est génial, parce qu'à aucun moment je m'attendais. Parce que l'humour, je vais appeler ça des cow-boys, il est quand même spécial. On sait qu'ils s'aiment bien, mais ils le montrent pas. Ils le montrent d'une façon, déjà ils tirent la gueule, comme d'hab. Et le duel des chapeaux. En fait, t'as l'impression que c'est des gosses qui jouent avec le pistolet et qui tirent sur le chapeau de l'autre. Et alors à chaque fois qu'il essaye de le ramasser, hop, t'as le chapeau qui va plus loin. Et moi j'adore cette scène, ça montre vraiment le début d'une amitié entre les deux. C'est peut-être la deuxième fois que je vois un western avec cette fois-ci une vraie histoire complète. Là, l'histoire, on la sait. C'est trois mecs qui veulent la même chose, qui veulent le coffre d'une banque. Et ensuite, avec cette histoire, il va se passer d'autres choses. Mais c'est pas une simple histoire. Ils veulent un coffre. Hop là! Voilà, c'est terminé. Non, là, il y a vraiment une vraie histoire. Et c'est ça, souvent, qui me manque dans les westerns. C'est souvent des histoires simplistes. Alors que là, au départ, ça peut paraître simpliste. Mais finalement, il y a ce petit truc qui fait que ce film est quand même assez complexe. Et ce qui fait qu'il y a de bonnes idées dans ce film. Leur duo me fait rire. Parce qu'en fait, chacun essaye un peu d'arnaquer l'autre, mais reste toujours complice. Et dès le début, il y a une amitié qui s'installe et on le voit. Chacun est malin et on le voit dans les scènes. Et tout simplement, ils découvrent, on va dire, dans le deuxième, souvent les réflexes de l'autre. Par exemple, les deux ont des fois les mêmes réflexes au même moment, ce qui fait que ils sont quand même un peu pareils. Alors, comme je l'avais dit avant, on a quand même besoin du premier film pour le perso des tombes et pour l'article du journal, mais sinon on n'a pas bien. Mais après, déjà que ça s'appelle une trilogie, je serais content de pas le regarder dans l'ordre. Voilà. La scène du duel en musique qui revient vers la fin est géniale. Et c'est ce que j'ai dit dans le 1, quand j'ai l'impression que Sergio Leone est dans ma tête. Quand t'as le méchant avec sa boîte à musique qui dit « quand ça se termine ». J'ai une phrase dans la tête, c'est pas mal. « Quand ça se termine, je t'extermine. Oh » C'est un peu ça en fait, le duel. Qu'il soit réutilisé à la fin avec Clint Eastwood qu'il a dans la main, vraiment, c'est parfait. C'est nickel. Nickel. C'est. Ce duel, vraiment, il est génial. C'est un des meilleurs duels que j'ai vu dans les westerns. Et en plus, il est encore plus extraordinaire quand
C'est pas comme tu regardes juste le duel sur YouTube. Moins. Bon, il est bien. Mais en plus, avec les autres moments du film, où il y a des références dans ce duel, bah, il est génial ce film. Il est très très bien ce duel, parce qu'il reprend bah, des choses qu'il y avait dans le film. Le fait de voir la suite de la scène du méchant et de sa copine est intéressant avec la boîte à musique, parce que en fait ça nous prouve qu'il a pas de pitié en fait. Il a pas de pitié de si on comprend bon, en fait si on comprend pas vraiment le moment, on peut croire, on va dire, que le mec c'est vraiment un connard, parce qu'en fait tu peux le comprendre en deux fois. Soit le méchant est jaloux de sa sœur et d'un mec et va donc tuer le mec, ou soit la sœur se fait violer par le mec et alors donc il se venge du mec, ce qui est quand même, on va dire, plus normal que la première idée. Parce que ça, c'est pas dit, mais ça se comprend. J'aurais bien aimé revoir ces trois personnages dans le troisième film, même si au départ je pensais que c'était eux. J'aurais bien aimé voir celui qui joue le méchant, qui joue aussi très bien dans le 3, mais malheureusement c'est un autre acteur, mais qui est aussi tout aussi bien. Vraiment, c'est... En fait, dans le 2 et dans le 3, parce qu'en fait, dans le 1, il n'y a pas vraiment beaucoup d'acteurs, donc je vais moins parler du 1. Mais dans le 2 et le 3, vraiment le casting, il est 5 étoiles, il est impeccable. Même les petits rôles sont joués par de bons acteurs. Et c'est ce qui fait aussi le charme du film. Ce film, est-ce que je le préfère du premier? Largement. À côté, le premier, il est en bas, ce film, il est en haut. Quand j'ai regardé ce film, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me serais plus attendu à ça avec Le Bon, la Brute et le Truand. Parce que c'est quand même le deuxième meilleur western du monde. Premier sur certains sites. Je m'attendais même plus à que Le Bon, la Brute et le Truand soient comme ça. Mais vraiment, ce film m'a étonné. Et c'est une très très grande surprise. Ce qui fait que c'est un de mes westerns préférés. Après, Il était une fois dans l'Ouest. Il est génial. Le film, déjà, ce qui fait un bon film, c'est qu'il passe super vite. Et le cinéma de Sergio Leone, il passe super vite. Que ce soit Le Bon, la Brute et le Truand. Ce film, ça, Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest, je l'avais regardé en deux fois. Et après le deuxième jour, pour regarder la suite, je me suis dit... Il doit quand même rester, aller encore une heure et demie. J'ai l'impression qu'il m'est resté 20 minutes en fait. Il est passé d'une vitesse incroyable. Et ce film, pareil. Les 30 premières minutes, il passe. Mais en fait, je sais pas le secret que Sergio a pour faire des films qui vont aussi vite. Je sais pas. Parce que il y a plein de films très bien même. Très 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 bien. Mais est-ce qu'ils passent vite ou est-ce qu'ils passent normalement? Parce que t'as donc des scènes moins bien. Alors que dans ce film, toutes les scènes sont bien. Pour le peu de dialogue qu'il y a, les dialogues sont bons. Et ce film, je lui mets vraiment la note de 4,5 sur 5. Il est génial. Vraiment génial. Même plus. Est-ce que Le Bon, la Brute et le Truand va réussir? Parce que vous ne le savez pas encore, mais moi je sais. Est-ce qu'il va réussir à être encore mieux que ce film? Parce qu'alors, pour Le Bon, la Brute et le Truand, pas que je mets la barre plus haut, mais vu qu'on a dit quand même du bien,
et qu'apparemment il est aussi bien qu'il était une fois dans l'Ouest, mais est-ce qu'il est mieux que ce western qui est bon, quand même le 7e meilleur western dans le monde? C'est quand même très très bien. Mais est-ce que j'ai préféré Le Bon, la Brute et le Truand ou pas? Ma réponse sera dans la prochaine vidéo. On va aussi parler globalement des trois films. Mais sinon, vraiment, j'ai adoré ce film. C'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, vraiment. Si cette année, alors qu'on n'est même pas au milieu de l'année, mais si cette année, je vois un film aussi bien que ça, je sais pas. Vraiment, cette année, pour l'instant, j'ai quand même vu deux films qui sont dans mes films préférés. J'ai vu Scarface, qui est génial. Et j'ai vu ça. J'ai vu cette trilogie. Et malgré, on va dire, le premier épisode où je me suis dit, c'est bien. Mais voilà. Par contre, les trois films ensemble, ça fait une merveille des chefs-d'œuvre du cinéma. Et ça, écrit, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, chef-d'œuvre classique, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est ça qui différencie pour moi le film culte et le chef-d'œuvre. Le film culte, c'est un film, par exemple, qui n'est pas forcément parfait, mais qui a fait beaucoup d'entrées. Par exemple, je sais pas, même si c'est une merde, s'il y a eu beaucoup d'entrées, et les gens, on va dire, ils l'aiment bien, c'est un film culte. Par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, ça aurait pu être un flop monumental, mais c'est devenu un film culte, parce que ça a même dépassé, par exemple, La Grande Vadrouille, ça a eu 18 millions, je crois, non, un peu moins, 17, je sais plus, millions d'entrées, ce qui est énorme. Et c'est ce qui fait un film culte, mais pas un chef-d'œuvre, parce que le film, il est pas parfait. Alors que ce film, vraiment, il est presque parfait. Même il est parfait. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Bon, la Brute et le Truand. Toujours avec Clint Eastwood et Ivan Cliff, qui est aussi un très bon acteur, Ivan Cliff. Je tiens à le préciser parce que j'en ai pas trop parlé là. Je vais plus en parler dans la prochaine vidéo. Nous on se dit salut, et je pense que finalement Clint Eastwood a accepté de fumer le cigare dans ce film, je pense.